Commence l'année 1989, une année chargée d'histoire. Le 4 juin 1984, l'armée chinoise réprime la révolte des étudiants en place Tiananmen. Le 9 novembre, la chute du mur de Berlin marque l'Europe en fin. Le 2 décembre, Gorbatchev et Bush déclarent la fin de la guerre. Mais l'année 1989 fut aussi marquée par le début d'une nouvelle histoire. Un spermatozoïde pourvu d'un chromosome X, appartenant à M. Paul Harvey, se détachait du peloton pour atteindre l'ovule, appartenant à Madame Hervé, dit Fabien Delphine. 9 mois plus tard, le 27 décembre 1989, naissait Baptiste Hervé.